Et salut tout le monde et bienvenue dans le 17ème épisode du Let's Play de Alan Wake sur PC. Je crois que ça démarre très mal. Je pense même qu'en fait, je vais m'arrêter. Attendez, parce que là je la... Non en fait là je veux pas être négatif mais la manette me fait n'importe quoi là, je sais même pas de quel côté je suis censé aller. Bon c'est bon, elle marche ou elle marche pas là? Là je teste hein. Enfin, je teste, mais avec les trois quarts des boutons qui font rien aussi, donc... Ouais, j'ai encore des... Non, je vais prendre les grenades incapacitantes. Bon, bah, puisque ça a l'air de marcher pour l'instant. Donc, je disais que nous étions... Non, d'accord. Non, laisse tomber. Ok, je sais pas si je peux changer... Parce que vu que j'ai déjà eu un petit problème en essayant de lancer l'enregistrement. Putain, elle me casse les couilles cette manette. Hop. Donc là j'ai débranché la, j'ai débranché le récepteur de la manette sans fil. Parce que là c'est juste pas possible. Tant pis, heureusement j'en ai une filaire. Celle-là elle devrait marcher comme il faut. Enfin j'espère. Mais bon, c'est juste chier de m'encombrer avec le fil quoi. Alors que il y avait moyen de faire sans. Putain, cette manette, franchement, au début que j'avais, elle était super bien, mais maintenant c'est devenu une grosse saloperie. Ah, apparemment, oui, il le prend en compte. Donc oui, là, la manette que je prends, c'est exactement la même. C'est la même, c'est-à-dire que c'est la... C'est aussi une Gamser G3, mais en version filaire. Donc je devrais pas avoir de problème de commande. Mais bon, ça fait chier, quoi. Allez, donc on y va, donc... Dans l'épisode précédent, nous avions donc atteint la pièce illuminée dans le au niveau du barrage là, et on avait récupéré un talisman, le fameux rupteur. Voilà, une sorte de talisman quoi, qui permettra de vaincre les ténèbres. Donc maintenant, nous sommes en route pour rejoindre l'endroit où se trouve le chalet de Cauldron Lake, enfin où se trouvait le chalet de Cauldron Lake. Super, j'ai ramassé un feu à main. Donc on va avancer. Mais bon, j'imagine que... J'allais dire, j'imagine que bien vite des ennemis vont me tomber dessus. Et je me suis gouré de touches pour esquiver. Et où? Ah, je me suis planté de bouton pour l'esquive en fait. Je sais pas pourquoi j'ai été appuyé sur Y alors que pas du tout, c'est avec LB. C'est quoi ce truc qui clignote là? Ah d'accord, le phare d'une bagnole. Bah si, c'est vrai la preuve. D'accord, ça je l'avais pas vu. Ah d'accord, bon le truc c'est auto-tuer. Oui, ça s'appelle un suicide, mais bon, je dis ça, j'ai rien. C'est pas le cerf du char qu'on voit là-bas? Putain, maintenant je vais me faire attaquer par un frigo. Tout est normal quoi. Alors j'essaie d'avancer avec un minimum de prudence. On va essayer de pas crever quoi. Et de pas tomber dans le vide justement parce que j'avancerai trop vite ou une connerie du genre. Ah, c'est encore l'attaque du frigo. Oh putain. Heureusement qu'il a fait cette, heureusement qu'il a fait cette espèce de saut au-dessus de moi parce que sinon je crois que j'étais mal foutu, mal barré. Ah, y'a celle qui va m'attaquer aussi. Mais quel con. Mais si t'esquives pas, mon vieux, ça risque pas de marcher. Ah, je crois que l'objet est tombé. Enfin, au moins, les objets qui tombent, ils se détruisent tout seuls. Ça m'arrange. Ah non, d'accord, de loin, on aurait dit le cerf sur le char, bah ça n'a rien à voir. Mais putain, j'ai esquivé. Là j'ai fait l'esquive mais je le suis pris quand même. Peut-être parce qu'il était trop grand. Je vais pas genre me faire attaquer par la pelleteuse. Ah bah si. Si, je vais me faire attaquer par la pelleteuse. Là j'en souvenais bien ça. Mais je peux pas reculer. Eh, si je lançais ma grenade. J'allais dire sauf que j'y voyais plus grand chose là. Ouais.
Voilà, checkpoint. Est-ce que je dois conduire cette voiture? Ah oui. Et c'est parti, il y a des possédés de partout, regardez-moi ça, je les vois d'ici. Ah, crevé! Oh putain! Mais je suis coincé! Je voulais reculer pour reprendre un meilleur. Mais je suis. Putain, mais sérieux! Mais je suis coincé! Non, mais je suis vraiment coincé en plus! Non, mais c'est une blague! Le problème, c'est qu'à force de. Voilà, à force que se poser des tables à la voiture, elle va finir par plus marcher! Voilà, la voiture est morte. Mais bien sûr, mais tu sors pile. Non, mais tu sors pile sur le possédé. Mais tu réfléchis, Alan. J'ai plus que cette balle. Pourquoi ça vibre? Ah, d'accord. Voiture possédée. Reviens. Il va falloir bouffer combien de piles? Mais pourquoi l'écran il devient tout noir? Bon, bah, je suppose que le chemin est par là, sauf que sans voiture, bah vas-y quoi. On va rigoler sans bagnole. Non, mais tout ça parce que je vous jure, la voiture était vraiment coincée. J'avais beau essayer de reculer, d'avancer, il n'y avait pas moyen. La voiture était coincée. Eh mais normalement je suis censé faire ce chemin en bagnole. Il me reste 3 balles. Alors là-bas je peux peut-être essayer d'utiliser une grenade incapacitante là. Pour essayer de rattraper le coup. Parce que là je vais avoir un petit problème. Et évidemment, j'ai droit à Superman. Mais ça n'a même pas tué. Ouais, plus de balles, oui, merci, je m'en suis aperçu. Je vais être obligé d'utiliser ma dernière grenade pour le tuer. Voilà, maintenant j'ai plus que des feux à main, j'ai plus que ça. Ça veut dire au moindre ennemi qui arrive, je suis foutu quoi. Ah, est-ce que je vais pouvoir prendre cette voiture là? Ouf. Ouf, ils avaient quand même prévu une échappatoire, mais bon, j'ai quand même été obligé de bouffer toutes mes balles. Limitation de vitesse 50, on s'en fout. Attention, j'ai pas de compteur de vitesse. Putain, ça détruit le pont, lol, normal. Oh putain, attention au bus. Bon bah si j'ai pas le choix, je suis obligé d'abandonner la voiture. Donc un checkpoint c'est bien. Fusil à pompe, oui, mais sauf que j'ai pas de fusil à pompe. Non, d'accord, il l'avait pas ramassé en fait. Espèce de crétin cosmique. Ok, je comprends mieux. Des flaques de ténèbres, ok. Est-ce qu'ils ont mis un ennemi dans le coin? Merde, ça servait à rien que je mette la pile. Alors je vous préviens, une fois qu'on sera arrivé au niveau de la zone de Cauldron Lake, le jeu va devenir très bizarre.
Non, mais en fait, je sens tellement l'ennemi m'arriver dans le dos, une connerie comme ça. Il suffisait que je le dise. Ah putain, y'en a pas qu'un. L'ennui c'est que là ça m'aurait bien servi d'encore avoir une grenade incapacitante en réserve. Bah, dommage, j'aurais presque pu tuer les deux en même temps avec une balle. Je suis encore planté entre le bouton pour mettre une pile et le bouton pour recharger l'arme. Alors je pourrais utiliser ça, je pourrais tirer sur ces trucs pour les faire péter. Ah, du revolver. D'où les ennemis vont venir? T'es où? Alors approche, approche. Mais c'est des... Ah! Au secours! Mais laisse-moi allumer un feu à main! Oups. Putain, mais pitié! Mais voilà, je m'en doutais que j'allais crever. Là, je m'en doutais que j'allais crever. Vous avez vu, ça se complique. Vous augmentez la lumière de votre torche avec LT. Mais tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure? Putain, il m'a remis là, ça veut dire que je vais me taper le premier assaut. Oh, fait chier. Entre autres, je me demande pourquoi je m'emmerde à détruire ces trucs-là. Ouais, mais si j'avais pas été obligé de gâcher mes grenades incapacitantes, ça m'aurait aidé. Tout ça à cause d'un bug de bagnole. Voilà, donc là je vais m'approcher, je vais avoir l'attaque par derrière. J'avais oublié qu'il y en avait derrière. Comme tout à l'heure, feu à main. Voilà, ce qui m'élimine la première vague. Donc maintenant, on va ramasser les munitions du tunnel et se faire attaquer. Tiens, c'est bizarre, j'ai plus de munitions du revolver que tout à l'heure. Et je vais utiliser des balles de revolver pour faire péter les bouteilles de gaz. Genre par exemple celle qui est là-bas là. Maintenant celle-là. Celle-là j'ai dit. C'est quoi ce débarquement là? LOL, il m'a touché avant. Ça y est. Oh la vache. Putain c'était chaud là. Ah, c'était très chaud là. Non mais tout ça parce que j'ai pas pu faire péter les bonbonnes à gaz que je voulais faire péter. Oh. Parce qu'en fait quand vous intensifiez la lampe, bah ça vise automatiquement les ennemis.
et pas les bouteilles de gaz. Bon, par contre, attends que je puisse me refaire un peu avant de m'attaquer, s'il te plaît. Mais putain. Je dis ça et en plus, je gâche bêtement une balle. Ça y est ? Une page de manuscrit. La piste de l'ombre noire. Oh putain, regardez dans ce chapitre, il m'en manque plein des pages. Mais regardez, c'est tout des pages qu'il faut faire en difficulté cauchemar. Alors c'est déjà assez dur comme ça, vous imaginez. Alors je prends tout ce qui est possible, sauf les balles de revolver, je suis déjà au fond. Alors je peux conduire ça. Bon, c'est parti. Mais on fait que ça depuis tout à l'heure à la Codron Lake. Hein. Quand on va passer par là, putain, mais c'est, elle a un dérapage de fou cette voiture. Accident, on va falloir faire un constat. Ok. Alors là, il y a une flèche de... Ah, par là, un petit coffre. J'aime pas du tout l'ambiance. Hein. Et surtout quand faut aller au fin fond d'un truc comme ça pour aller choper un coffre, je m'attends tellement à ce qu'il y ait des ennemis qui vous tombent dessus quand... Je les entends. Ils sont juste là! Putain! Oh la vache! Feu à main, feu à main! Il est où? J'ai tiré ma balle trop tôt! Putain! Oh la vache! Alors là, par contre. Oh putain, j'ai eu peur là. Là, j'ai eu peur. Non, mais je disais que j'étais sûr qu'il allait avoir des ennemis qui allaient m'attaquer quand j'allais revenir à la voiture. Et pourquoi il y a un truc qui brille là-haut là? Oh putain, je te jure. Ah, ils m'ont foutu les jetons là. À débarquer comme ça dans le noir. Il fallait que j'ouvre la porte. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Tu proposes pas ces flèches là pour revenir au même coffre quand même. Je dirais bien que si. On va essayer d'entrer là où j'ai vu la porte. Eh, ça crame là-bas. Parce que j'ai vu que c'était ouvert là. Lire. Qu'est-ce que t'as d'intéressant à raconter? Bon, on s'en fiche. On s'en fichouille pas mal. Ennemi. J'avais pas vu le deuxième. Non mais je veux dire, je marche jusque là, j'entends les bruits de pas, donc il faut monter. Putain, je suis sûr qu'à force, je suis vraiment pas rassuré d'évoluer dans cet environnement. Là, ah, bah, ça doit être la commande pour la porte. Oui. Ça y est ? Eh, je suis pas sourd, hein. Il va venir d'où ? J'entends dans les... Merde, j'ai pas rechargé mon... Faut vraiment pas être cardiaque pour jouer à ça, hein. Un lance-fusée, ça pourra toujours servir. Non, par contre, garde le flingue. Merci. Ah,
Alors, on va reprendre une voiture. Ouais, on va prendre celle-là, on peut changer. Et on y retourne. Bon, je crois que je cherche pas. Allez, on va s'amuser. Ouais. Oh putain, je crois que je reconnais cet endroit. Et j'aime pas du tout. Parce que ça sent l'attaque en masse. Surtout quand on me donne plein de trucs comme ça. On va monter là. Il y en a des commandes. Et merde. Là, vous avez vu la zone pour appuyer sur le bouton, elle est assez petite. Voilà. Oh putain! Eh, la voiture elle est encore en état! Voilà. Je vais être attaqué par ceci! Y'a du monde au balcon! Voilà, c'est efficace! Bon, elle est où la commande? On va vite activer ça. La voiture est morte! Ça lève le container, mais je sens tellement que je vais être attaqué d'ici que ce soit suffisamment haut. Allez, oh, c'est bon, tu peux passer là. Bon, point de contrôle, pour l'instant ça va. Encore une voiture. Eh, c'est spécial voiture hein, là. Oui, à chaque fois je rentre du mauvais côté. Et on y retourne. Bon, je suis pris à la barrière, mais comment ça dérape ce truc, sérieux? Continue un peu. Je ramasse ce qui peut l'être. Quand j'avais révélé mon plan à Paris dans la pièce illuminée, j'avais donné l'impression d'être sûr de moi. C'était faux. J'avais agi avec la logique d'un rêve. Je devais affronter les horreurs de la nuit pour retourner au lac. Je devais activer un vieil interrupteur imprégné de magie enfantine. Je devais écrire une fin heureuse à mon histoire d'horreur. Je devais sauver ma femme de la sombre prison où elle était retenue. Bon. Visiblement, on me demande d'aller là. Ah non, c'est vrai, vrai, je suis déjà plein. Là, je crois qu'il va falloir commencer à s'attendre à s'attendre à tout ce qui est possible. Bon, je croyais entendre les pas de quelqu'un d'autre, hein, honnêtement. Mais c'est bien beau, mais une fois que je suis là, je suis censé aller où? C'est ça. Ça me permet de sortir ici. T'es, c'est si fatigant que ça pour toi, Alan? Bon, allez, on y va. On continue, on a encore un peu de temps. En général, quand on voit ce genre d'endroit avec ses lampes, c'est jamais super bon signe. Bah, un corbeau pour l'instant. On va
recharger le... Non, pas d'ennemis. Bon, faut aller où après? Hein, je dirais dans la direction de ceci. Je ne vous la rendrai jamais. Et c'est parti! Donc là, faut que... Eh, mais il y a des mecs qui me poursuivent! Allez, continuons dans la direction de la lumière. Mais... Non mais si je me fais attaquer par les ennemis pendant les... Pendant les trucs à regarder, c'est pas cool, ça c'est pas fair play. On va lancer une petite grenade parce que j'en ai plein. Parce que là... Il y a trop de... Putain, je les ai tous tués sauf un et c'est le survivant qui me tue. Je devais écrire une fin heureuse à mon histoire d'horreur. Je devais sauver ma femme de la sombre prison où elle était retenue. Non, il y avait des piles, il y avait une pile. Putain, faut tout refaire. Faut tout refaire. Entre nous, j'aime bien. Quand il y a le A pour dire d'appuyer sur A, je braque le stick alors que ça sert à rien. Bon, on va la refaire. Et cette fois-ci, on va essayer de pas mourir bêtement. Ça serait une idée. On recharge. Tu fais des drôles de mouvements, Alan, quand tu recharges tes armes. Franchement, à quoi ça sert d'allumer ça? J'ai pas compris. Hein. Donc allez, c'est parti. L'attaque va se déclencher. Mais le son est désagréable, il hurle dans ces moments-là. Donc ça l'a vu, on sait, merci. What? What the fuck? Mais c'est passé quoi? Je vais écrire une fin heureuse à mon histoire d'horreur. Je devais sauver ma femme de la sombre prison où elle était retenue. Non mais putain, j'ai... Quoi, j'ai été trop près des trucs? Bah, faut savoir, faut courir ou faut marcher? Attends, mais c'est une blague, quoi! Ah non, mais pitié, quoi! Non mais je veux dire, j'ai pas pu me défendre, je suis mort directement. One shot quoi. Juste, est-ce que ça pourrait servir éventuellement à quelque chose de vouloir rentrer dans ce bâtiment? De toute façon c'est bouché par, à mon avis y'a rien. Je ne vous la rendrai jamais. Donc on va y aller plus. On va y aller plus doucement. Par contre, Alan, ouais, vient de marcher au ralenti. En fait, à ce moment-là, il n'y a qu'un seul possédé. On est... Ah non, il y en a un là. C'est vrai, c'était lui qui débarquait là, le bûcheron là. Ça c'est la première étape. Ensuite on va avancer et là je me prépare à larguer des grenades incapacitantes. Ah oui, il y a ce machin là. C'est vrai, il y a ce truc là qui les tue, c'est plus pratique. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'il bouge au ralenti quand vous le projo. Alors est-ce qu'il y en a d'autres dans le coin? Juste quitter pour voir s'il y en a qui viennent. Ah oui, il y en a qui viennent. Je réactive. Et toi tu vas mourir.
va relancer une grenade. Bah alors pourquoi ça marche pas? Ah. Par contre l'ennui c'est que ceux qui sont là je peux rien leur faire. Il n'y en a pas d'autres à proximité. Voilà la dernière balle pour le tuer, parfait. Bon, on va avancer encore un peu. Enfin je pense hein. De toute façon pour l'instant pas de point de contrôle, le point de contrôle ne s'est pas activé. On va pousser ça. Puis de toute façon bon, autant s'accorder 2-3 minutes de plus de toute façon vu que j'ai eu des problèmes de manette en commençant. Sans tant pis, en attendant de comprendre ce que la manette sans fil me fout, eh ben j'utiliserai la filaire. L'antre noir. Ouais, sauf que l'antre noir, bah ça serait plutôt avec un E à la fin, non? Oh, c'est ça que j'ai vu, je croyais que c'était une écriture à lire. En même temps, les écritures à lire, on s'en fout un peu, ça raconte toujours plus ou moins la même chose. Et c'est si crevant de pousser à wagonner. Surtout si pour qu'il finisse dans le décor en plus. Et je vous conseille pas de le suivre le wagonnet parce que sinon... Putain mais je le vois en plus. Voilà, crève s'il te plaît. Bon, tant qu'on est ici, y a pas un secret à prendre. Zéro nada que dalle. Alors ensuite c'est par où? Bah c'est par là. Alors on va continuer jusqu'au prochain. Prochain point de contrôle atteint, on s'arrêtera. Le Mirror Peak au loin. Cauldron Lake se trouvait là-bas. Non, en plus on n'est pas loin du... C'est bon on a vu, c'est parce qu'il me raffiche le truc. On n'est pas loin, on approche de la fin du jeu quand même. Hein. Alors des objets à récupérer. Le lance-fusée on va le recharger. Attends, parce qu'à mon avis, s'il m'a donné 5 fusées alors que j'en avais 0, c'est pas pour rien. À mon avis, là, je pense que je vais devoir monter dans le... Non ? Faut juste passer sur le... Mais non, je peux pas passer. Hop, voilà. Allez, enlève le frein. Et on va se faire un petit voyage. C'est lent, hein. Je vais me faire attaquer par les oiseaux là. Mais ça sert à quoi ça sert que je vous braque moi ma lampe torche dessus là. Ah bah, je suis bloqué. Oh bah j'ai bien fait de sauter tout de suite. Tiens mais pourquoi là tu marches comme ça? Grimper à l'échelle? Pourquoi faire? Pour la petite cigarette? Ouais. Il y a une autre échelle là. Bon, je pense de toute façon, ça serait plus intelligent de descendre pour prendre le checkpoint. Et on va pouvoir s'arrêter là-dessus, du coup. Voilà. Donc, comme ça, on va pouvoir s'arrêter. Donc, prochain épisode, nous continuerons avec notre périple vers. Notre périple vers Cauldron Lake. Voilà, donc je pense qu'on est pas. Je pense honnêtement qu'on n'est pas loin de la fin, hein. Alors je sais pas ce qu'il reste comme Je sais pas si il nous restera encore une vidéo ou deux pour terminer le jeu. On verra bien. Enfin bref, donc du coup on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis ciao et à la prochaine.